Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger une des questions posées au concours régional niveau 4e. Alors, on vous dit que ACBD est un parallélogramme et de calculer qu'est-ce que ça donne ce vecteur-là, c'est-à-dire le vecteur AB plus BC moins DC plus PC. Alors, donc, la première chose à faire, c'est de bien remarquer que cette fois-ci, on n'a pas dit ABCD, mais ACBD. ACBD qui est le parallélogramme. Donc, on y va pour se fixer des idées. Alors, donc, on va construire le parallélogramme ACBD. Voici donc le parallélogramme ACBD. Alors, voilà le vecteur qu'on veut calculer. Donc, on va dire pour ce vecteur-là, donc on va associer d'abord AB plus BC, ensuite moins DC plus BC. Mais AB plus BC, d'après la relation de Charles, nous savons que ça donne AC. Donc on n'a pas encore commencé à utiliser Charles, donc on va dire tout simplement AB plus BC. Maintenant, là, ce qu'on a utilisé plus tôt, c'est que moins DC est égal à CD plus BC. Bien, maintenant, on peut utiliser la relation de Charles. AB plus BC, ça donne AC. AC donc, plus, là, on va commencer par BC, puisque c'est commutatif, n'est-ce pas? CD plus BC, on peut dire que c'est BC aussi plus CD. Donc ça, c'était pour faire apparaître la relation de Charles. Donc ça nous donne AC plus, maintenant on fait cette association-là, cette somme, BC plus CD en utilisant la relation de Charles. Et là, ça va nous donner AC plus BD. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que ACBD est un parallélogramme. Donc, quelle égalité vectorielle on peut en déduire? On peut en déduire donc que AC est égal à DB. Donc en transposant, nous allons avoir AC moins DB égale vecteur nul. Mais moins DB, c'est BD. Donc on a AC plus BD est égal au vecteur nul. Donc, or, on avait que la somme demandée était égale à AC plus BD. Ainsi donc, nous allons en déduire par conséquent, donc nous avons AC plus BC moins DC plus BC est égal au vecteur nul. C'est ce qu'il fallait donc démontrer, ce qu'il fallait trouver comme résultat. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.